Fallait que je chanterais? Oui. Peut-être que c'est la première fois que nous étions là de chanter, mais nous avons bien avant. Je vais te chanter une chanson qui vaudrait le temps. C'est pas quoi? Pas grand chose. Alors, faut-il commencer? Oui. Ah! Ah, blanc avec tout le monde. Oh, ça ne se voit pas, ça c'est rare, ça. Non. Il n'y a que la voix qui est enregistrée. Ah. Il n'y a que la voix qu'on entend. Il n'y a que la voix, les paroles ne vont pas. Si, justement. Oui. C'était un soir dans une chambre rose. Après Bambin dormait dans son berceau. Il souriait là les bras demi-closes. Car dans son rêve, il voyait un drapeau. Les étrangers reculaient en déroute devant l'ardeur de nos vaillants soldats. En s'éveillant, il dit « Maman, écoute, n'entends-tu pas du canon le fracas ?» De t'éveiller, il n'est pas l'heure encore, disait la mère à son enfant chéri. Dors, mon mignon, dors bien jusqu'à l'aurore, je te dirai quand viendra l'ennemi. Je te dirai quand viendra l'ennemi. Et c'est la prise de l'Alsace-Lorraine. À ce moment, elle est vite apparaître, son pauvre époux qui tout couvert de sang vint tomber mort au pied de sa fenêtre, près de son fils qui pleurait maintenant. Son meurtrier le suivait, mais la mère d'un long couteau le frappant en plein cœur. Quand un hulon survint dans la chaumière, il la frappa de son sabre vainqueur. De t'éveiller, il n'est pas l'heure encore, dit en mourant la mère à son enfant. Dors, mon mignon, dors bien jusqu'à l'aurore. Va, ne crains rien, le Prussien est parti. Va, ne crains rien, le Prussien est parti. Sous les cyprès du sombre cimetière, on voit parfois un soldat s'arrêter. Et dans son cœur, il n'oublie pas la guerre. Il s'agenouille et semble méditer. Quand son regard se tourne vers la plaine, de ses grands yeux coulent des pleurs brûlantes. C'est qu'il revoit l'Alsace et la Lorraine, le soldat a perdu depuis 20 ans. Alors, dernier couplet, vont-tu m'en rappeler? T'éveiller, il n'est pas l'heure encore, dit l'orphelin à ses parents chéris. Dormez en paix, dormez jusqu'à l'aurore, nous sommes prêts pour venger le pays.
Nous sommes prêts pour venger le pays. Oh. Allez. Ah, c'est bien. Ouais, c'est bien, hein. T'as pas besoin de papier? Hein? T'as pas besoin de papier pour chanter? Non? Eh ben, on va... Mais je n'entends rien. Oui, mais ça fait rien. On continue un petit peu. On continue un petit peu comme ça en parlant. Ah oui. Mais ça me fera, c'est pour ça qu'il va me faire entendre. Oui. Combien que t'as de petits-enfants et derrière petits-enfants? Oh, ben dis donc. 150. 160. 150, 60. Les enfants. Ah ben, tout le monde, quoi. Mais le chiffre, il y a exactement combien il y en a? Des... Exactement combien il y en a? Oh! Il y en a certainement 160. On était 151 avant que je vous marie, là. Il y en a certainement bien 9. Il y en a bien 9. Ah, mais attends. Justement, j'en avais 85. Oh. Il y a 92 petits-enfants. 92. Avec tous ceux qui sont nés depuis que on a parlé, là. Que l'on avait fait l'addition des familles. On était chez Alphonse, là, chez ma pauvre Marie-Louise. On les avait comptés avec l'addition dans tout ça. On en trouvait 151. Eh bien, il n'est bien venu certainement 8 ou 9 depuis. Mais j'en avais 85 d'abord et ça ferait 92. Mm-hmm. Il faudrait que je remettrai ça un jour de neige. Mm-hmm. Je ferai ça. Ouais. C'est dans 4 ans que... Hein? C'est dans 4 ans que tu as 100 ans, grand-mère. C'est dans 4 ans que tu as 100 ans. C'est dans 4 ans que tu as 100 ans. 4 ans? Ah, je ne sais pas. Je ne rappelle pas. Mais si, quand tu vas avoir tes 100 ans, c'est dans 4 ans. Oui. C'est ça qu'on dit. Est-ce que tu en as 96? J'entendais dire bien déjà en 69, quand on a été au Los Angeles. Non? Oui, mais Jean-Louis dit que c'est dans 4 ans que tu as tes 100 ans. Ben oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Ben dis donc. 80? Elle est née en 1880, alors. Comme ça, quand ça te le dira, tu me feras chanter. Oui, oui.